fait dans l'ombre depuis bien des années. Mais j'ai pris du galon, pas cessé d'augmenter. Alors prendre un peu d'air, ça les ferait déchanter. C'est le début de ma carrière, gros, j'ai pas terminé. Comment allez-vous? Ça va. Ça va. Je réponds en place de tout le monde. C'est ce qu'il faut, Jérôme. Donc, là, c'est le gros bordel dans mon garage. Si jamais je... Ouais, là, ça, je veux bien qu'il soit 7h du matin, mais quand même... Je vais me faire tuer, gros, mon père, il va me suivre, il va me dire... Qu'est-ce que t'as foutu, encore? Ouais, là, par contre... Bon, revenons... Et tu cutteras ça au montage. Revenons à nos moutons. Non, je cutte rien. Revenons à nos moutons. Bon, alors là, c'est le foutoir dans mon garage, ok? Comme vous voyez, c'est tout empilé, c'est tout à la zub, comme on dit. On a... Comment ça se fait que c'est le bazar comme ça? Je t'explique. Vu qu'on a lancé tout le concept de Noël, de... Je sais pas combien de motos dans mon garage, parce qu'il y a je sais pas combien de motos dans mon garage. Tu vois, ça commence à être petit, ok? Et du coup, bah, pour tout caser, parce qu'on a, de base, quand on vous a fait les vidéos où vous aviez vu, il y avait grave de la place, on avait tout mis au garage. Dans le, là, l'autre côté du garage. Quoi. Parce que là, mes parents, ils commencent à me dire « Oh, bien gentil, le garage, il est pas à toi, mon cousin. » Donc là, on a dû tout remettre là, surtout que je partais à l'école. Mon père, il m'a dit « Tu pars à l'école? Je veux que le garage, il soit nickel. » Ouais, mais comment ça se fait, mec, t'as 50 000 abonnés? T'avais pas dit que t'avais un local? Hein? Si, 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 mais je leur ai expliqué aux gens. Je leur ai expliqué dans la dernière vidéo que on faisait passer les projets principaux. J'aurais bien vu ça. Ah bah, je vois qu'il est 7h15 du matin. 7h15, si jamais je me suis couché à 5h. Ouais. J'espère que vous. C'est ça de nous faire le M-Pokora la nuit. J'espère que vous comprendrez. Bref, ouais, le principal c'était de se concentrer sur tout ce qui est habits, site internet et fin d'année, parce que là c'est le gros bordel avec la fin d'année, les vidéos, une vidéo par jour et tout. Du coup, le local ce sera un petit peu repoussé. Ok. Ok. Mais vous l'aurez. Et on va pas vous vendre de l'inédit, mais en attendant ce local, on va faire peut-être une petite rénovation ici, histoire d'avoir un petit côté cool ici. Voilà, parce que vu que Martin est encore dans ses études, le local c'est compliqué. Exactement. Celui qu'on avait de base n'est pas trop disponible encore. Pas encore. Il doit être construit en 2021, mais du coup plus tard que ce qu'il était prévu. Exactement, tout simplement. Voilà. Donc là c'est tout ça. En stand-by ici. Il y a, voilà, c'est une moto, hein, mais c'est pas rangé, il n'y a rien de rangé. Tu peux nous refaire une petite présentation des différentes bêtes pour ceux qui arrivent sur la chaîne? Ouais, bien sûr. Alors là, on a le karting, le prototype qu'on a fini la semaine dernière, qu'on n'a même pas encore essayé. Ok? Il en jette un max. Donc on va l'essayer aujourd'hui aussi. On va vous faire une vidéo en GoPro, on va vous faire des trucs de fou. Ok? Excusez-moi. Ensuite, on a la 2,5 que vous connaissez tous, les cousins. Elle est trop belle. D'ailleurs, parce que tu mets des titres dans tes vidéos, où c'est qu'elle a cramé? Ouf. Elle a cramé la bête, elle a cramé sur le tournage de la vidéo des 50K en fait. Il reste quelques traces d'après ce que tu m'as dit. Ouais, de moins en moins, mais tu peux voir en dessous là. Regarde. Ici c'est noir. Tout là c'est noir. C'est du noir brûlé. Hein. Ouais. C'est pas et du... avant tout le pot était noir, ça partait pas. Là ça part de plus en plus avec le temps. Avec tout là chaleur. C'était tout noir et tout. Alors qu'il y avait de la terre, hein. C'est juste que la terre a carrément pris feu. En fait. On a fait tout le tournage avec du feu. L'essence. Donc on allumait à l'essence, on faisait des trucs grave stylés. Et on a fait 2-3 départs, comme on vous l'a montré dans la vidéo. Donc tout se passait très bien. Et le dernier, on dit vas-y, faut que ça bombarde et tout. Mon pote, il met de l'essence, il envoie derrière, ça prend feu. Je démarre, ça fait une flamme de barjo, mais c'était trop stylé. Sauf que la flamme, en fait, elle est reprise et elle est rentrée dans le pot. Okay, comme vous le savez, un pot, c'est des étincelles. Un pot, c'est des flammes constantes, en fait. Dans le piston, dans la terre, ouais. Le piston, il y a du feu, en fait. Du coup, ça a fait flamme. La moto l'a fait boum 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 boum. Ouais, elle n'arrivait plus à respirer, ça lui a coupé l'air. Moi j'ai collé, j'ai dit oh, ma moto, qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui lui arrive? Tu vois, daron, je vais rentrer, j'ai mis le feu à la moto, qu'est-ce qui va dire? Du coup, tranquille, ça a bien été. Après, ils m'ont dit roule. En plus, moi j'entendais rien avec le casque. Bref, j'ai roulé. On s'en sort pas trop mal, ok? Cette moto, elle est vendue. Donc elle va bientôt partir. Je vais la préparer pour le client qui te déconneuf. Est-ce que ça intéresse d'ailleurs une vidéo là-dessus? Voilà. Où il la prépare? Mais j'ai envie de vous dire, vous savez quoi? Si ça vous intéresse pas, on vous la fera quand même. Donc vous aurez la vidéo où vous la prépare, ok? Et si le client est d'accord, parce que c'est un pote à moi, on filmera même quand il vient la récupérer et tout. Ensuite, on a la Supermode qui est là, que j'ai eu fin août. Ça, c'est la classe. Et que je m'en suis servi que 2-3 fois, enfin, ouais, une dizaine de fois. J'ai fait 2-3 vlogs avec, ok?
J'aime trop cette moto, je suis un grand fan. J'attends qu'une chose, c'est l'été prochain pour aller pour la poncer, pour aller poncer les routes de Haute-Savoie, les routes du Bas-Chablais. Et voilà. Après, on a une pocket qui est là, donc qui date, qui elle est même pas en fonction, elle est juste en décoration. La Pub 80 que tout le monde connaît et qui est légendaire, ok. Mais elle est restaurée celle-là ou elle est en épave? Elle est d'origine. Ah. Elle est d'origine et elle est comme neuve. Mais vraiment comme neuf, ok. Ça, c'est une chose. Ensuite, je saute une moto, vous comprenez pourquoi. Tout au fond, on a la YCF, donc mon beau-frère avait acheté. C'est mon beau-frère qui l'avait acheté quand j'étais en troisième, donc... On l'a jamais vu, ton beau-frère, à l'écran. Oh, si, qu'on l'a déjà vu. Ah ouais. On l'a déjà vu dans quelques-unes des vidéos. Ouais, il est très furtif. Ouais. On l'a vu dans la vidéo, tu te rappelles pas quand on avait acheté un petit quad, là. Ah si, c'est vrai. La vidéo qui a fait 120 000 vues. Ah ouais, hein, ouais. Il arrive comme ça, il dit, c'est quoi ça encore? C'est le boss, mon beau-frère. Bref. Avant que tu termines la moto, il y a toujours une moto là-bas qui, comment ça s'appelle, qui de... que les gens demandent. Celle-ci? Alors celle-ci, c'est la pocket que j'avais gagnée à la foire de Crète. Donc elle est en foire en fait. Tire à la carabine, ficelle, pif, je suis reparti avec la brèle sous l'épaule. Chose que je ne croyais pas. Parce que pour moi, c'était l'arnaque totale en fait. Ok? Ouais, je vois. Et j'étais en sixième, je suis arrivé, je le cache pas, il y avait un pote à moi, je vais pas lui voler la vedette. J'ai dit, ce soir, on rentre avec une moto. Je suis rentré avec une moto. Bon alors, on avance vers la dernière. Burt YCF, c'est une 150, ok. Ah là, ok. On ne sert pas souvent, mais il faudrait que je vous fasse une vidéo aussi une fois avec. Parce que voilà. C'est bien, t'as des projets, ah, t'as du contenu. Et on a la dernière, là au fond, la bête bleue. Bon, t'as fini ta commission? Ouais. Si ce ne sera ça non plus, pas coupé au montage. Espèce de fou, hein. Espèce de fou. Alors. Pourquoi elle est revenue là, ce bazar? Parce qu'il y a 2-3 bricoles à faire dessus, ok. Ah ouais. Histoire que quand on vous la donne, elle soit nickel. Bon alors, et t'as fait le bazar dessus? Ouais. Ça, et c'est une bonne aujourd'hui, chose. Aujourd'hui, on vous la donne, ok. Ça, c'est une bonne chose. Ça, c'est la classe, tu vois. Mmh. Jérôme, il savait même pas qu'on l'a donné aujourd'hui. Mais moi, je le sais, ok. Non, aujourd'hui, les mecs, Jérôme, elle sort quand cette vidéo? Ben, elle sort ce soir. Ok, ça, tu pourras couper. Donc, les mecs, aujourd'hui, il y a Abdel qui vient. Tonton Abdel. Non, elle sort demain. Demain matin, 10h. C'est vrai? Je peux dire qu'il est venu et que c'est lui qui a fait le tirage au sort. Donc, les mecs, aujourd'hui, donc les mecs, hier, il y a Abdel qui est venu chez moi. On a fait des folies toute la journée. Il y a des bêtes de vidéos qui vont arriver, ok? Et c'est lui qui a offert le tirage de cette moto, ok? Donc, il sera disponible sur sa chaîne. Non. Ouais, non. On dit qu'on ajoute la suite, on fera la scène tout à l'heure avec lui. Il le fait pas sur sa chaîne. Parce qu'il ferait jamais un tirage sur une vidéo YouTube. Ah ouais. Ok. 3, 2, 1, action. Donc, on va faire le tirage au sort tous les deux, ok. Et on vous mettra la scène dans cette vidéo. Donc vous saurez qui a gagné cette foutue moto qui traîne depuis des mois et j'en suis désolé. C'est vraiment le premier et dernier jeu concours que ça se passera comme ça, ok. Parce que tous les autres, après, ce sera carré. On fera gagner le truc vite, rapidement, comme on fait chaque jour pour Noël. Parce que là, ça a beaucoup trop traîné et ça me plaît pas du tout. J'ai horreur de ça. Et ça aussi, j'ai horreur de ça. On va faire du rangement, Jérôme. On va appeler Félix. Ouais. On va faire du rangement parce que là, ça commence à pas trop me plaire, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc voilà, on va faire ça. Et, ouais. Et Jérôme, je te laisse remettre la petite prise avec tonton Dedel juste après. Salut la team à Martin, on va essayer de tirer du coup au sort une personne pour cette petite moto. Donc Martin l'a retapé, il a tout refait, donc c'est nickel. On va tirer au sort, on va voir juste la personne qu'on a tiré au sort aussi, parce qu'il ne faut pas qu'elle habite en Tunisie ou en Guadeloupe, parce que ça fait un peu loin hein, pour ramener la moto. Donc voilà, t'es prêt Jérôme? Allez. Alors c'est parti, je pose ma souris ici, tu me filmes en même temps, comme ça il n'y a pas de tricherie. Attends merde, j'ai appuyé sur un bouton. Attends, y'a un problème là. T'as appuyé sur un bouton. Merde! Pardon. Top. Sandro. Sandro, 17, 11. Ouh! Oh, à Lyon. Mais ouais. Là, pour le coup, c'est le top. Par contre, il a l'air d'avoir un appart. Donc, je sais pas où il va la mettre, la moto. Mais après, il se démerde pour ça. Il se démerde. Mais il est pas loin. Il est pas loin. Alors, attends. Est-ce qu'il te suit? Est-ce qu'il suit Martin et tout? C'est ça le truc? C'est ça. Oh bah je sais pas, depuis longtemps qu'il a lancé le concours. Ouais, c'est vrai, mais au moins ça voudrait dire que c'est une personne. Si c'est une personne qui a esquivé, au moins on va la faire gagner un abonné, un vrai. Un vrai.
Donc on va voir si c'est un vrai. Alors, son blaze. Sandro Arni, point 17. Sandro. T'es fou, il est grand yes. ton écran. Alors, il est abonné. Il est abonné à Martin. Il est abonné à Martin ? Ouais, il est abonné à Martin. Il est abonné à moi, il est abonné à Martin. C'était voilà. ça pour le concours, il fallait c'était ça. Exactement. Nickel. Bah, il a gagné. Parfait, nickel. Bah, Sandro.17 tiré du bas 11, t'as gagné, mon pote, la motocross. T'as fait dans l'ombre depuis bien des années, mais j'ai pris du galon, pas cessé d'augmenter. Alors, prendre un peu d'air, ça les ferait déchanter. C'est le début de ma carrière, gros, j'ai pas terminé.